Matondo. Matondo mingi na technique, vraiment na ko pesa biso solo pendant en tout cas loyembo kitoko. Loyembo kitoko parce que zali kolobela solo pendant en tout cas biso lingomba ya monene ya Baindo. Bundu dia Congo. Effectivement, bundu dia Congo yango de ko changer et ko pesa mbongwana et ko changer l'axe ya mokirbama tata bande wala nda Congo bolulu. En tout cas, on est allé tembe moko ezalité. Ba bazana tembe kaka ba oyo ba bunga nzela, ko bazana kati na lingomba ya ba paya oto bengi le christianisme. Le christianisme c'est une religion étrangère. Ezali religion ya ba prédentaire. Et ceux qui incarnent cette religion sont les ennemis, je vous dis, des races noires ya bana somi ya mboka ya Congo. Je vous l'ai dit. Ce sont les ennemis. Ce sont des criminels, des terroristes. Je vous l'ai dit franchement. J'ai dit ceci. Ces gens-là, les Noirs qui incarnent cette religion étrangère qu'on appelle le christianisme, ce sont nos ennemis numéro un. Ce sont des criminels, des terroristes. Je vous l'ai dit franchement, maman Tatouane. Mais tandis que ceux qui incarnent la religion de nos ancêtres, Bundu dia Congo, ce sont nos frères qu'il faut embrasser. Ce sont des véritables frères qu'il faut embrasser. Monsieur frère, je sais, Naïbisibino. Bah, on va dire qu'on incarne la religion de nos ancêtres, c'est-à-dire Bundu dia Congo, et Zali Batoto qu'on embrasse. Na bobo ton yonso pe na bolingo yonso. Que ça soit âge naïe.
ba mama tata bande ko landa ko ngobololo lelo ezali ya solo pe na tuka mokolo mwa mitano mokolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza mwambi mugu ya koto mibale na tukumi bale na moko tukumi na mbonga ya zomi na mwambi na miniti solo pe na tuka tukumi na ina mine tukumi na ngonga wana ingi koloba ngonga ya motoba na miniti tukumi mine na mine ya sima zanga to pesi bino banso ba yenge ba mbote pe ba losako na bino banso ma tata bandeko ezali bino molobeli mbuta bo pelo bala ringi ko ba malamu koloba bandeko lere grave lere très grave alors esengeli ba imboka to telema to tika kozala moribon et pour na kotelema vous devez avoir un leader un leader charismatique un leader oyo azali na valeur morale et spirituelle et na kati ya Congo nous avons qu'un seul leader qui a le valeur morale et spirituelle c'est Nemwanda il n'y a pas un autre leader s'il vous plaît mes chers frères et sœurs pourquoi vous êtes en train de prolonger notre souffrance dans ces pays là l'air est grave. L'air est très grave. Le monde complote contre l'humanité, complote contre le peuple de Timati. Il complote contre nous. Et lorsque nous nous dénonçons, alors il nous qualifie, n'est-ce pas, de comploter. Voilà le monde à l'envers. Maman a tata mande kwalande kongo bololo. Lelo, nazana, makamumisa to akosolo. Nabi. Yali boso, ezali solo pena tuka, kongo dietu. 45-50. Écrit par le grand maître de moi d'ancien. Et pa wazako pesa leçon mateya. Bomo mesan. L'infatigable le grand maître de moi d'ancien mitouman anzambi. L'infatigable. Apesi matea. Toko yoka angona kongo dietu. Deuxième sujet na biso, ba mama tata bandeko. Information, pas sujet, information na wapesa bino. Concernant bokono oyo ba bengi COVID-19. Ba lobi ezana ba variant. Siko toko mina variant delta. Oyo bandeko na biso na Congo. Baza ba journaliste comploter contre notre peuple. O bazo tinda bande ko na biso ba kena ko jo mangbele o ke mangbele wana zande ko kono ce sont des comploteurs ba journalistes wana je cite Tambo alias Eliezer et Mutombo alias Israël ce sont les comploteurs tellement qu'ils ont besoin de l'argent alors il faut comploter contre notre peuple nakotira bino lelo yo excellent ya ba journalistes amindele ndenga ba zali koloba likamo etali bokono oyo mama tata bande wala na komugulu pourquoi commettre un tel crime contre l'humanité pourquoi comploter contre le peuple de l'humanité parce que vous voulez changer le monde vous ne pouvez pas changer le monde impossible deuxième information to kopesa bino angwa bokoyoka bino mo et toko sugi sa soro pena tuka na comportement abarabe na mboka na biso. Bande kona biso oyo baza ko mela ma babangi oyo ya kolala ka debu bato baza ko sala yango ezali bara. Bolandi bino moko na bilili ba ma tata bandeko. Mwana projeté yango pe ezate bino moko boyebi. Les conditions dont nous travaillons ezali conditions moko difficiles. Les gens, bazako sa les forte à côté à ma boko de façon que tout développer le système et l'abisso, y'a média, rien. Alors, on doit continuer toujours avec le petit moyen de bord au Tosanango, y'a quoi informer bien. Ndenge, barab, bangonde bato baza, koumema, ba bangi wana y'a ma be, ba drogue wana y'a ma be, pour nous couper sa bande de konabisso. Donc, pour eux, tous les moyens sont bons pour détruire, décimer ce peuple-là de la République fédérale du Congo. Tous les moyens sont bons.
pour na ko décimer bango. C'est-à-dire que le peuple congolais doit faire ce qu'on appelle l'autodestruction, c'est-à-dire bami boma bango moko. Bami boma bango moko, l'autodestruction. Mais frère, pourquoi? Alors donc la complicité à banani il y a soi-disant ba konzi à la police. Donc, vous savez très bien que la police congolaise, elle n'est pas congolaise. Ce sont les éléments terroristes vêtus dans uniforme et à tenue de la police nationale. Alors, bah, moi, tatabande, voilà, d'accord, moi, il y a mon dé, tout go sou, qui s'en a mon le londengue, bah, qui go démasqué, sur le pénal, tout cas, bah, tout wana, na, bah, ça qui a bah, drogue wana, bah, ça qui a bah, il y a un poison wana ou il y a un administré sur le pénal, en tout cas. Ba imboka oui comme phénomène ya côté le maka et keko demande de recevoir voilà en gros auto ba et recevoir là vraiment na après midi aller là pourquoi aller alors sans plus tarder ba ma tata bande ko landia Congo bololo to ko banano na Congo dieto Congo dieto écrit par le grand maître Nemanda Nsemi tout mon ensemble l'infatigable Nemanda Nsemi. Il est tout à fait déterminé à libérer ses peuples. Que ce soit les difficultés ou il y a beaucoup de temps dans le il est déterminé. L'infatigable Nemanda Nsemi. L'infatigable. Et quand vous voyez Nemanda Nsemi, vous ne pouvez pas imaginer que c'était mon Congo, vous croyez que c'était mon gars. Avec son front parlé. Son front parlé. Avec son soif de libérer ces peuples-là. Bien que ces peuples-là, c'était un ignorant dangereux. Maman, tata, mandeo. Et puis, surtout, vous l'embattez, vous accompagnez toujours les grands maîtres de Mandasse, mais jusqu'à la victoire. Au moins que Mindele va y avoir 4 abissos, va kingo le quoi, ne va zoo kane l'abisso. Hein? Alors, jusqu'à la dernière soupir, n'abisso, maman, tata, mandeo, toko kobo beke. Toko kobo belè donc ko soutenir le grand maître Nemanda Nsemi tout mon ensemble. Voilà ce qu'écrit le grand maître Nemanda Nsemi. Vous pouvez lire sur Congo Dieto 45-50. Voilà, le grand maître dit ceci. L'équilibre entre l'homme et l'arbre. L'équilibre entre l'homme, parce qu'il y a l'équilibre entre l'homme et l'arbre. Si vous, pour les profanes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, je veux dire. Donc, nous avons dit que les grands maîtres disent ceci. Les grands maîtres ne m'ont pas dit ceci. La science naturelle nous enseigne que pour vivre, l'homme et l'arbre ont besoin, plutôt du carbone et de l'oxygène. Alors, la science naturelle, science et abisso. Science ya solo, science ya lokutate, ou ya kouluka ko bomara batoute. Science ya solo. Bwanya ya solo. Boyebi ya solo. Donc, elobina biso ete, poete, okoka kozwa lo biko, o vivre na kata mokiloyo, o zana lo biko na kata mokiloyo. Moto, nan zete, bazan a besoin donc, ya carbone pe nan oxygène. Carbone nan mon bébé. Voilà. L'homme nan zete, moto nan zete, bazan a besoin na biloko wana, mi bale. Tolanda. Alors, le grand maître Nemanda Nsemi, Mapusana Robi, l'homme consomme donc le carbone et l'oxygène. L'homme a gourmand, l'homme a gourmand. A zo consommé yon somibal. Le carbone et l'oxygène. Et rejette les dioxydes de carbone. Donc ce que nous appelons COD. L'arbre consomme les COD, retient donc le carbone et rejette l'oxygène dont l'homme a besoin. C'est pourquoi conçu par des grands connaisseurs, Kinshasa était prévu pour être une ville urbano
rirar. Tikana limbo la bande wana biso. Donc les grands maîtres nous mandent c'est malubi moto à consommaka aliaka amelaka a hein a respiraka a bendaka carbone na mopepe na oxygène. Na yango kaka moto asara kanini a bwa kaka sikoyo hein donc dioxyde de carbone c'est-à-dire que CO2 c'est-à-dire que mopepe ama b mon pepe ma be o moto a bwa kaka e kendaka na zamba te kendaka pamba te siko e kendaka wapi alors donc na tango wana tango moto a bwa ki mon pepe wana ya mabe e kendaka pamba te e kuyaka pamba te siko bato mususu e loko mususu e zaka na posa na yango na besoin na yango po e kwa ko vivre siko banani wana bazaka na posa ya ko vivre na mon pepe oyo moto a pe maka a bimisaka oyu takana katine abimisi. Pama tatabande kwa lande ya Kongo bo. Ano natango wana. Totali isu sawa. Nzete. Nzete. Bwepi wa nzete. Nuhu sakana kwa nzete. Bukata kango pamba pamba. Ano biba nzete. Yango sikoyo. Eliaka. Mi pepe ya mabe oyo biso to bimisaka. Opemi mon pepe ya malamu, obwaki ya mabe. Oyo biso to bimisaka to bwakaka, ba nzete zalinde bile ya nzete. Ba nzete sengeli bako wakoli ya yango. Po ba vivre, po ba zwa lubiko. Alors donc, ba mwa tata bande kwa lande ya Kongo bolo. Bango sikoyo, ba retenir. Carbon, c'est-à-dire que mi pepe ya mabe obiso to bwa kaka. Bango siko yo nzete. Ya lebi leyu obiso to zo bwa kaka. Siko yo nzete na turu na ye, ya sali nini? A bwa ki siko yo oksijen mo pepe ya malamu. Ok, mo pepe wana malamu, biso nde to zana bo singa na ango, biso to komi ko respiri ya ango. To zi robiko. Tozu lobiko. Nzete abwa ki mon pepe oyo biso tozana ngo na bosenga. Tozu lobiko. Ama tata bande wala lande ya Kongo bolo. Yango wana alobi ba grand connaisseur o basala ki soro pe dan boko yo ba wengi Kinshasa. Yango ezala ki prévu ete ezala ville moko ezala ville urbaine et ville moko na lulenge ya mboka. Bome mwa tatando. Me botala na Kongo. Tele make bazaba yoran dangere bako salani bakati banjete nyo so kokata. Me uyu ba vrema ba makako eh. Ba mikombo so penza ba rezona kate. Bakati banjete. Bango kokata banjete. Kokata banjete moto ba bengi nani. Ancien gouverneur à Kinshasa. Comment il s'appelle? Abosan Yokomone. C'est normal. Parce que ce sont les gens. Zangati n'a pas la peine de retenir. Kimbuta. Ko retenir ba komo la ba. Ba criminel ba terroriste. Ba kata banzete. Tala ba yoran dangereux. Pour nanini ba kati banzete pour continuer ko consommer. Bangi yo ba meraka. Bangi. Mwani batu wa bangi, mwosa wa bangu wawo. Bakati lobiko ya batu. Po nzete yangwe zo bwaka mopepe. Mopepe oyo batu bazana mwona bosenga bazako umela po ete bazo wa lobiko. Po biso tozo bwaka mipepe ya mabe. Nzete azako lia. Nzete natura na ya pesi biso mopepe ya malamu. Biso tomeli tozo lobiko. Yangwe wana donke tozo kotambola na symbiose. Na relasyon moko harmonie. Bama tatwande, moto na nzete. Mokote aza supere ya moninga. Mokote. Paske, biso yon sotu tozana, bezwen ya komisali sana. Yo pesi nga, sistem ya troket, yo pesi nga nga na pesi yo. Le gramete ne mandase ma pousa na lobi. De kote,
On a besoin de maisons fabriquées en béton. Et de l'autre côté, vous avez des forêts naturelles qu'il fallait sauvegarder. Parce que les arbres de forêt consomment les CO2 dégagés par les hommes en building bétonné, établissant ainsi l'équilibre entre l'homme et l'arbre. Na kote mosusu ba mama tata bandeko tozana bosenga na bandako oyo totungi na ba béton. Et na kote mosusu na ngamu mosusu tozana besoin na banzete ou eza ko zinga biso banzete na biso eza ko zinga biso ba mama tata bandeko la ndako ngobolo. Alors na yango esengre banzete wana do ko kakosala nini ko batela yango. Mais tant la nègre toti karabanjete na biso na Équateur. Ba Chinois baza ko kata yango. Ba Canadien baza ko kata yango. Ba Sédois baza ko kata yango. Ba mama tata wa nou. Et puis soki baza ko kata baza ko na misusute. C'est comme si baza sa course à la montre. Baza ko ye ba eh ba Colombo ko ba lingi ba lamuka. Avant ba lamuka senge to kata na lolenge moko ya sauvage. C'est ce qu'ils font. Et vous trouvez la carte dans la province de l'Équateur. Bazata n'a pas un politique visionnaire. Oh, bah, il y a des combats, la mabérité, bah, il y a des combats, la zambate, bah, il y a des combats, la biloko na bangote. Bango, il y a des kanyaka. Bah, moi, tata, bah, moi, bah, sinon, bah, il y a des kanyaka. Bazui kanyaka wana ba mama tata bandeko amisombeli mwa ndako akanisi kivini na ekoki. Ah. Donc voilà ba paya wana baza ko sala sa face ya ko sakanate. Po bango bazo kanisa ke non en tout cas ba kolomboka avant que ba la mukabiso to suite to sali deja sa face ya to suite to sili si biloko na ba. Yango moni baza ko kata na lolenge moko ya ko sakanate. Ok, bazako, bebi se kilibre ya moto nanzite, parce que tozana système ya boyokani entre biso bato na banzete pour système ya troke zaliwan. Biso to pesi bango, bango ba pesi biso. Bango ba biso pesi bango, mi pepe ya mabe o tozako respire, bango bazako vivre na mi pepe wana ya mabe, bango baza ko pesa biso solo pena mon pepe ya malamu l'oxygène mon pepe ya malamu biso to ko vivre na yango libera na libera ba mata tabande ko landa Congo bololo ezali pase ko zanga ba politicien visionnaire pona nini ba mata tabande ko banzete ya zamba eza ko consommer solo pena en tout cas ni pepe mabeto zali ko bwaka. Biso bato tozali na kati na ba building to sali yango na ba béton bétonné béton partout et pas en tout cas ba tata ba ndeko tozali ko établir l'équilibre entre moto na nzete parce que s'il y a pas la forêt s'il y a pas la forêt les hommes ne peuvent pas vivre et s'il y a pas des hommes la forêt ne peut pas aussi vivre. Nous avons donc tous un système de complémentarité. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'arbre et l'arbre qui est supérieur à l'homme. Donc, nous avons un système de complémentarité. Alors, nous devons tous nous protéger. Motoazali na bosenga ko protéger nzete et nzete azali na bosenga ko protéger moto. Présence ya moto ezo sala ke nzete vivre. Et que nzete moto présence ya moto ezo sala été nzete vivre et puis nzete présence ya nzete ezo sala que moto pe a vivre ba tata bande ko landa Congo bolo. Le grand maître continue, le grand maître ne manda semi visionnaire mon aîné alobi bo alobi, en construisant les palais du peuple en véritable connaisseur. Les Chinois ont prévu une ceinture de verdure qui devait donc entourer ces palais du peuple.
Malheureusement, l'espace prévu pour cette ceinture de verdure n'existe plus, remplacé par des bâtiments en béton. Tout va bétonner partout. Bah, sinon, y a tonga kinda kwana. Y a pas l'un des peuples. Oyo bande kona biso baza ko dondo akuna. Oyo baza ko yebate ko sala ba loi. Les parlementaires. Hein? Les gens qui font des lois contre le peuple. Hein? Alors donc, ma chino ba sala ki yango, ba tonga ki yango. Ba tika ki na espace pour na été tokoka kolona banjete ou ekosala été soki ba imboka bazali na kati na parlement pour na kozwa mibeko ya malamu mi pepeza kutana banjete wana eza kokomela bango baza ko respirer malamu et que biso toza na kati ya parlement tozali bele tozo bwaka ba mi pepe ya mabe banjete ezali ko vivre ezali ko mela ezali ko lia yango me bato bazali kuna ba yelo kote. Alors, bango basen ba kati banjete yon sotou ale. Ale! Bétonné partout. Béton. Béton partout. Béton. Yon wana donc, ba se nomme M. Tshilombo Tshisekedi. Béton. Partout bétonné. Et si ka banjete zate. Et ça li kama non? Ba ma tata bande wala nda Kongo bolo. C'est dans cette Kinshasa. C'est dans cette Kinshasa insalubre et opposée aux lois de la nature que se déversent actuellement des millions de Congolais venus de toutes les provinces, pour donc toutes les provinces, attendre leur mort par le non-respect des lois de la nature. Yangwanomoni na Kinshasa. Et c'est que le monde comme salité à cause de la canate, tata de la Congo bololo. Salité à cause de la canate. Pour la nini, Bazali n'a pas encore s'opposé à la loi ya mokili, na mobeko ya mokili, na mobeko ya bikela. Bango na baye, ba tondi de millions de millions, na kati ya Kinshasa, ba outi ba tiki ba province na bango. Ba abandonner ba province na bango ba mburu mburu ba récupérer hein ba paya baza ko récupérer ba mboka na bango ba chinois baza ko détruire bolanda ki reportage ya côté ya basoko kuna ndenge nini hein ba chinois baza ko timula ba minere na ebale baza ko déverser ba matière ya mabé donc ebale komisalité. Bambi si bakomi kokufa pa mapa. Bambi nou bo kimi ba province na binu. Ole bo vana bo proteje yango. Bo kimi bo ena Kinshasa. San ke bo koka. Ko respecte mi beko ya bikela. Bama watata bande walande ya Kongo bolo. Ezali mawa miki. Le krame tele mandase pon an konsu ki salobi walobi. En vérité, je vous le dis. Que si cette République démocratique du Congo peut encore avoir un dirigeant visionnaire et connaisseur, on devrait délocaliser la capitale de la République démocratique du Congo et la placer au centre du pays où elle sera construite en respectant la nature, la chimie et la physique. Vous voyez comment l'encombrement est devenu dramatique à Kinshasa? Attendez. Attendez-vous encore au pire. Donc, les années qui viennent. Ingeta. Ibobo. Ibobo. Maloba Tumo. Yamato Ebisabino, que Sengel Bozalana est un dirigeant, je vais dire, Bolimbisi. Visionnaire. Un dirigeant visionnaire. Celui qui ne voit pas sa poche, mais qui voit les intérêts de notre communauté, qui voit les intérêts de son peuple. Mais vous avez un dirigeant.
visionnaire na kati ya mboka, olie bo embrasser ye, olie bo pousser ye, pour que changement ya, non, bino bozo kolandaka, ba escroc. Ce sont les escrocs, tous ces dirigeants que vous suivez. Les escrocs. Et puis, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez oh, c'est pitié qui a dit. Alors, le grand maître de mandation, malheureusement, vérité en vérité. Il y a solo pendant en tout cas. Ce qui est un bon cas, qui penda na ba konzi oyo baza penda ba visionnaire. Pe ba connaisseur baza na bo yebi. Ah. Ba koye ko sani, ba koye ko zwa kapitale ya République fédérale du Congo. Ba koka solo penda en tout cas ko longo lango na Kinshasa ba tinda ango solo penda en tout cas na katikati ya mboka. E pa wapi, ba koto nga mboka wana, na koto saka mibeko ya bikela. Mibeko ya natire. La chimie et la physique. Bozo mwana ndenge encombrement ndenge tondi penda na Kinshasa wa. Encombrement moko ya kosakanate, batu ba tondi na Kinshasa ya kosakanate. Poni ba kimi ba province na bango, ba kimi njala, ba kimi pasi, ba kimi e pourtant pasi zali kunate. Au moins soko zali banda, o tali mboka, o moni ke nom ekoute. Sa c'est un paradis terrestre. Bango ba kimi, ba yoko tonda na Kinshasa. Mais bozela mwa mouke boko mwana. Bozela boko mwana. Le pire mabe. Ezali koya na bambulo ezali koya. Mabe ezali koya. O bozela mwana ezana na mouke. Kaso ezali liboso. Ezane li kama. Le grand maître ne manda semi a prevenir ibino. E sengeli totala nani oyazali visionnaire. Un dirigeant visionnaire ezali nani. Est-ce que Kolanda Fayi baza visionnaire? Kolanda Ben bazali visionnaire? Est-ce que Kolanda Itistilo bazali visionnaire? Est-ce que Kolanda qui encore? Ba étranger beaucoup ici mais ba étranger ba comme Congolais ba Suriano ba Kamere et tous ces patati patata sont par les mêmes. Na grand mopaya oyo ba ko imposer bino pendant 18 ans na mboka ipolitika na. Mes chers frères, voyez bien, toujours bon mboka na biso moko. Biso moko. Qui a dit? Bama tata manda. Voilà le message du grand maître Nemanda Nsembe, l'infatigable Nemanda Nsembe. Voilà. Matondo mingi na bino banso oyo bolandi. Oza na mato ya koyoka akoka koyoka. Voilà, toleki na deuxième sujet na biso protocole ko silisa mama tata bandeko deuxième information na biso. Mes chers frères, monde ezali na danger. Mais singeli tout ça l'effort ya ko se protéger. Balobi na biso ake bokonoye et que singeli toke na kozwa ba mangbele. Ok ba mangbele na ezali kama. Mwana kibino mwako na ba televizyon, ba plateau, ba televizyon, ba tambo alias lezer, ba tona lo kuta. Azako kende pa abana, azako eksite, ba na ba kena gozwa mangbele. Oye asa azwe, sika azwe ba monite. Oye okuna mutombo alias Israel, ako kosa bato, ako kosa bato. Ke asa azwe mangbele, azo tinda bato ba kena gozwa mangbele. Ennemi aba na somi ya mboka Kongo na miziki na bango lokuta Kofi ye pa ke azoti na bato bake na kozwa mangbele oya sazu soki bolandi imaze bokomona ete non mangbele ya lokuta ba matata bande bolanya Kongo bolo. Donc un petit groupe de politiciens sont là pour comploter l'humanité et que les êtres humains doivent regarder silencieusement ces complots contre l'humanité. Tolobate? Non. Écoutez, et sengeli toloba. Tozana ba mindoki oto ko se défendre te. Mais kasi monoko na biso ezali mondoki monene oto ko se défendre. Bola nana boke binyonso. Mayena zali ko tie la bine.
donner la parole à Astrid, docteur Astrid Stuckelberger. Selon les études, docteur, américaines relayées cette semaine par LCI, on va même citer LCI sans lui faire de la pub pour autant, parce que vraiment LCI aujourd'hui prend un mauvais tournant, le vaccin ne protégerait pas contre le variant Delta, figurez-vous. Ça, c'est pas un peu la meilleure de l'année, celle-là? c'est pas la meilleure de l'année. C'est que la CDC et Fauci ont admis, numéro un, qu'on n'a jamais isolé le Covid. Donc, le Covid n'existe pas en termes scientifiques. Et la deuxième chose, c'est que le vaccin est le réinfectant. C'est que c'est le vaccin qui est le Delta. Voilà. Et donc, c'est ce Delta qui infecte les proches. Maintenant, moi, j'ai une autre théorie, c'est que le graphène se transmet à d'autres, et j'ai des preuves cliniques, enfin des cas cliniques, on commence par les cas, enfin, comme personne n'a le droit de faire des recherches, on fait des cas cliniques, et ce graphène, là, je viens d'avoir un docteur de Belgique qui m'a rapporté qu'en fait, il a un cas de graphène dans le sang d'une femme qui vit avec une personne vaccinée, et que c'est un ami, tout ce qu'ils font, c'est se toucher la main, et qu'elle a eu les symptômes de cette personne, alors que du Covid, on va l'appeler Covid, en fait, de cette réinfection de cette soupe toxique. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a un vaccin. Ce que vous dites là, c'est assez énorme. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, ce sont les non-vaccinés qui devraient se protéger des vaccinés. En fait. Absolument. C'est le monde à l'envers. Mais non, en fait, on le connaît en épidémiologie, parce qu'on sait que dans les vaccins de polio et d'autres vaccins, je crois la dengue, ils réinfectaient en vaccinant les personnes avec la polio, ce qui est normal puisqu'on prend des virus pour créer des anticorps, et si on dose mal, c'est tout le cauchemar des virologues, c'est de mal doser le vaccin et ça réinfecte la personne qui redevient contagieuse. On l'a déjà vu avec la poliomyélite, ça récrée des épidémies alors qu'on avait éradiqué la polio dans certaines régions. Mais je crois que c'est aussi avec la dengue. Donc on a là le cas typique des réinfections par le vaccin grave et toxique et qui décèdent, font décéder les gens. Et oubliez jamais, c'est une recherche expérimentale. On est dans un essai thérapeutique. Non, je rigole parce que c'est tellement gros que... Voilà, on est dans une recherche expérimentale mondiale, alors qu'on devrait être dans un cas clinique randomisé de 30 personnes, ensuite de 60, ensuite de plus. Et puis là, on pourrait bien analyser chaque cas et stopper tout de suite la recherche dès qu'il y a un décès. C'est ça, voilà ce qu'il faut. Dès qu'on voit tous ces symptômes qu'on voit à travers le VAERS ou à travers Eudra Vigilance, d'ailleurs, qui a beaucoup plus de cas, dans une recherche, dès qu'on a un cas, c'est pour ça que moi, je suis très intéressée par les cas, parce que ça montre que c'est là qu'on doit chercher. On cherche les réinfections, et maintenant, ça a été accepté par la CDC que ça réinfecte les personnes, ce vaccin. Mais après, bien sûr, vous avez toute la machine de censure des médias. Et merci Richard que tu censures pas. tu es la contre-censure et justement c'est vraiment un rôle scientifique très important. C'est que les médias peuvent nous donner la parole pour qu'on redise ce qui a été dit par les canaux officiels. Et donc c'est là qu'il y a 8000. Pas anti-vax, mais aujourd'hui oui, je suis vraiment profondément inquiète de tous les vaccins puisque c'est les mêmes lobbies qui ont racheté toutes les boîtes de tous les vaccins. Donc, vous pouvez aller chercher les conflits d'intérêts. Dans les recherches, on élimine tout de suite les conflits d'intérêts. On y va à fond la caisse. Conflits d'intérêts, les médecins se font payer pour vacciner. Ils se font payer pour faire des PCR. D'ailleurs, le PCR est un vaccin. Chez les animaux, on utilise des tiges pour vacciner les animaux. Demandez aux vétérinaires, c'est très intéressant. Pourquoi on fait tellement de PCR? Eh ben, hypothèse A, et la seule, non, hypothèse A, c'est vraiment que le PCR est un vaccinateur aussi. Et wow. Donc, comme le graphène est au bout des PCR, on utilise le PCR pour remettre une dose. Alors, l'hypothèse B, c'est que le vrai vaccin, c'est peut-être le graphène, le vrai problème, le vrai criminel, Si on cherche dans un comme les détectives, on cherche qui a fait le crime biologique.
limite, hein, parce que si vous dites qu'aujourd'hui le PCR est quasiment un vaccin, vous imaginez les gens qui déjà refusaient de se faire vacciner, maintenant vont refuser tout test PCR. Donc il y a plus le choix maintenant, il faut tout refuser alors. Oui, absolument, mais on a en plus, ça a été dit que le PCR n'est pas valable. Ça a été dit depuis juillet l'année dernière, moi j'arrête pas de dire ça. Oui, la radio, on continue de le faire. Et aujourd'hui même l'OMS le dit, la CDC aussi dit que ça va plus. Alors on fait un test antigène et ça l'hiver, mais je me méfie même de ça. Parce qu'il y a une logique, il y a une logique criminelle, donc... quand on a une logique de répétitive, ben c'est scientifique de faire les hypothèses que la même chose va être appliquée partout. Oui. Et donc, et d'ailleurs, dans le PCR, il y a des rapports de la Slovaquie qui ont montré que dans le PCR, il y a du lithium et de l'hydrogel, comme par hasard. Et l'hydrogel, et ça se fait pourquoi derrière là? Parce qu'on a des cils qui régénèrent et qui sont tout près des nerfs et de la barrière hémato-encéphalique. Donc, le but, c'est d'aller vers le cerveau. Voilà. En tout cas, ça, c'est une analyse que je peux faire. Voilà. Et le graphène, c'est très important. Pourquoi les médecins ne trouvent pas ça? Ils trouvent ça bizarre. C'est normal, parce qu'ils n'ont absolument pas appris à mesurer les pandémies chimiques. Parce que l'OMS, en fait, quand j'étais là pour enseigner, on a mis sur pied cet enseignement sur la déclaration des outbreaks, on ne peut pas dire pandémie, c'est des urgences sanitaires internationales, il y avait 4 catégories. C'est infectieux, voilà, mais sinon il y a foodborne, c'est dans les aliments, ensuite c'est chimique, et ensuite c'est radionucléaire. Et là, je me pose la question, mais est-ce qu'ils ont tout utilisé là? Parce que là, on est dans le chimique. Donc en médecine, les médecins n'ont pas l'habitude d'analyser ça, il faut être spécialiste. À l'OMS, il y avait un spécialiste allemand qui donnait le cours que j'organisais à l'Université de Genève, et il venait donner le cours sur c'est pas des infections, c'est des maladies chimiques, pandémiques, puisque les rivières peuvent avoir du mercure, peuvent avoir des tas de toxicité, et donc ça crée des maladies. Et on n'a pas l'habitude, puisque c'est inhabituel. Donc on n'a pas les instruments. Donc moi là, je pose la question. Oui, ben oui, vous vous posez des questions, bien sûr, parce que il faut utiliser toute la gamme des appareils que les chimistes utilisent. Donc microscope optique, électronique à fond noir, ben ça c'est le truc habituel. Spectrographe. Moi je crois pas le magnétospectrographe que vous utilisez en médecine. Et je rappelle juste à ceux qui écoutent que le corps est électrique. On a un corps électrique. On fait des des électro-encéphalogrammes, on fait des électrocardiogrammes, nous sommes électriques, les gars. C'est la nouvelle façon. Alors, merci, je crois qu'il y a Christ. Voilà. Voilà, maman, tata, vende, voilà, on dit à Congo, bololo, bolandi, binomoko, bolandi, namatoui. Parce qu'on peut comploter contre l'humanité, tout va dans tout à la caca. Et je vous l'ai dit, bah, on y a surtout, bah, médias na Congo. Oh, bah, zo, tinda, bande, konabiso. Oh, bo, kena, go, se, faire, vacciner. Bo, kena, go, se, bo, kena, go, jamangbele. Bo, kena, ko, sa, la, test. Donc, bah, zo, tinda, bande, konabiso, na, liwa. Na, katia, complot. Na, katia, complot. Ah, tata wa ndoko landa kongo. Oh, bo kone zali. Bo kena ko zwa nini mangbele. Bo kena ko se fele testé. Donc bazaba ennemi na bino. Je crois que les gens ceux qui vont découvrir te que ba media wana eza na Congo bazaba ennemi na bino alors na roba tu baloka bino. Ah, tata wa ndoko landa kongo bolo. Ta la crime ya ndengo ya boy. Hein? Crime ya boy. Et on doit croiser les bras. Toka nga monoko. Te ba ma tata bandeko. Et sengeli to se défendre par tous les moyens ba ma tata bandeko alanda Congo bololo. Na ba criminel oyo. Baza déterminé à détruire l'humanité. Nyonso wana likolo ya mbongo. Mbongo. Hein? Mais pas la biso bo konezalité, alors donc baza ko pousser bandeko na biso pa kena kozwa to. Ma ke nous en mangue. Ba masque toujours là toi. Toujours ça là ce qu'on appelle l'autodestruction. Parce que moto ba ça là yé po ape maka abimisi mo pepe amabe abendi akitoko oyo banzete bazako pesa biso to meli
tout ce qu'on explique est binoire, les grands maîtres ne mandent pas ma commune. Hein? Mais si quand on a la petite masque, osa ko respirer kaka mo pepe ma be o e outi na kati na yo o zongi si ango kaka. Oyebi combien de fois osa ko se détruire. Osa ko affaiblir le système immunitaire na yo yanjoto. Makile ko circuler bientôt comme na ba coagulation sanguine. Makile zo circuler li susuti. Parce que étouffement. Okoku fa na étouffement. Longo la ba masque wana lo kuta if omoni ezana ba mibe ko mususu ba ko ko pesa binu so ke zali mal donné il faut ko boya yango ki e kason ki e kason go e il est seul individu e binu ko sa ba million il faut l'arrêter il faut ko kangaye c'est un criminel montatie ke wana na za i politique na be pourquoi i politique na ba tia ke wana. Parce qu'il y a des gens qui ont été massés. Il y a des génocides dans le Congo. Il ne faut pas obéir à l'ordre mal donné. Vous avez bien? Vous avez tellement un milieu y a pamba, un milieu à pamba, vous avez bien les batouana. Alors voilà, je vais vous dire que vous avez un milieu. Donc, je vais vous dire que vous avez un Boyo ki bino moko na matoi. Donc. Eza matata. Pona kosu ki sa mama tata mande kwa landi ya Kongo bololo. Ba rab. Bazo bebi sabana na biso. Bomoni fenomeni oyo. Ya bangi ya batu kotele madibu lukula. Ba. Lokola ba robot donc bato oyo bazako mema ba bangi wana ezali ba rap bula na yendenga bakangi bango bulandi bino moko na bilili ndenga bakangi bango donc tous les moyens sont bons pour na papaya. Nous sommes devant un danger, notre peuple est devant un danger. Donc, il faut utiliser tous les moyens pour nous détruire, pour nous décimer. Qu'on détruit notre jeunesse. Ok, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est la relève de demain. Ce qui jeunesse, c'est l'alité. Mais si vous n'avez pas besoin de contrôle, il y a un beau calobi. Donc, je vous dis merci à papa. Donc, barabe ba memi ba millions de sacs. Ya ba bangi oyo. Ya ba drogue oyo. Po ba pesa kabande kona biso. Ba sala ce qu'on appelle l'autodestruction. Na complicité na ba généraux. Ya bo kanabiso. Soit disons des généraux. Donc, ba généraux, on a besoin qu'on protège Bango. Ba détruire notre peuple. Et d'ailleurs, ces généraux que vous voyez, la plupart des généraux que vous voyez dans le pays, ne sont pas des Congolais. Ce sont les gens, ce sont les étrangers vêtus d'un uniforme. Il y a la police nationale, Nabiso. Vous croyez que Makambo, Kasson, Moya, Yeba, Kiangote? Kasonga yebi yango. Parce que l'objectif na yeba tiena na isika wane zali po na nini ko détruire notre peuple. Faut ko détruire peuple. Mission na yango wana. Kasongo mission na ye yango wana. Na kombo ya lokuta Silvano. D'ailleurs, na mboka na biso ya pa de nom Silvano. Hein? Ce monsieur là, cet étranger là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans notre pays. Donc voilà ba mama tata bandeko. Donc coalition ya ba paya contre notre peuple. Yango tozo yebisa bino mama tata bandeko. Botika kolanda ba politiciens oyo baza na vision mon côté. Oyo ba yebiko protéger peuple na bisote.
Oh, bah, ça, qu'on utilise bino tout simplement pour na gain na bango moko. Suivons les leaders éclairés. Et na kati ya mboka, nous avons qu'un seul leader éclairé, c'est Nema Nassim. Mais tellement que bazako bombardé bino na lokuta, bazo bombardé bino sropena na mensonge, les mensonges ezali armé na bango. Tala niveau yoba jeunesse na biso ko. Et bazoko pesa ba media wana ezana na kati ya mboka, ou ezali yaki na cause na bango, ba moyen pour que va continuer donc au lali sa bande qu'on a biso pongi. Alors, biso toko tika bino kalmete. Toko loba ti boko yoka. Matono mingi na bino banso bolandi biso. Namo kolo mwa lelo. Wala toko te na bino yusu sumbala si mama tata bande ko. Donc, voilà. Bos abonne massivement. Abonnez-vous massivement na kat na Kongo Bololo. Pebo partager Kongo Bololo na ba imboka. Partagez. Kolemba ko partager, te partager. Partagez Kongo Bololo. Aimez Kongo Bololo. Likez. Et soutenez Kongo Bololo. Avec les moyens financiers, en fait que nous puissions développer notre chaîne. L'unique chaîne. Où est-ce que vous avez biso na diaspora. L'unique chaîne. Où est-ce que vous avez le leader charismatique ne mandasse mais la diaspora. L'unique chaîne. Il n'y a pas une autre chaîne qui parle du grand maître. Ou quand lorsque vous regardez d'autres chaînes, ils font que diaboliser les grands maîtres de Manazem. Ils font que diaboliser Bundu dia Congo. Ok. Bundu dia Congo, c'est un instrument. C'est une organisation qui défend les intérêts de notre pays, de notre peuple. Et Nema Nassemi est le seul leader charismatique et qui parle tout haut, là où tous les Congolais parlent tout bas. Et qui défend les intérêts de notre peuple. Voilà, Bama Watata Bandewalanda Congo Bololo. Tu écoutes la bino Isusu. Lobby, ce qui occasion et se permettre, Bama Watata Bandewalanda Congo Bololo. Allez, voilà. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège les grands maîtres de Nema Nassemi et protège la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo, Ibobo, Afrika, Ekotonga Manalo, Lenge, Mokona, Ekipata. Matona. Bye bye. Mvuka dian dimanti. Afelika dian pa di finamene tuwa. Kabu dia bakeluba. Bolo zororo makanda wa mbubu tureno. Makanda mawa muso mavudu kayotama. Osa weni na ninga masina makikulu. Kongo dia pa kongo dia vudu kakongo. Bolo zororo makanda wa mbubu tureno. Makanda mawa muso mavudu kayotama. Osa weni na ninga masina makikulu. Kongo dia pa kongo dia vudu kakongo. Afelika dia pa. Afelika. Afelika dia pa. Afelika ya pa, Afelika ya pa, ni na kuwa. Afelika ya pa, Afelika ya pa, ni na mene kuwa. Efi ya pa ya mita peti wana kukongo. Ipanda kia kongo ye kibuka kanti mati. Efi ya pa ya mita peti wana kukongo. Kongo ya ba kongo ya futuka kongo. Efi ya pa ya mita peti wana kukongo. Ipanda kia kongo ye kibuka kanti mati. Efi ya pa ya mita peti wana kukongo. Kongo ya ba kongo ya futuka kongo. Afelika ya pa, Afelika. Afelika ya pa ni na kuwa. Afelika ya pa, Afelika. Ya pa ni na mene kuwa. Afelika ya pa, Afelika. Afelika ya pa ni na kuwa. Afelika ya pa, Afelika. Ya pa ni na mene kuwa.
Takuza kuna tatuza zonzi na katulwa Ulu zolo lwa batata makungu tulendo Siku mina zoneza kwanza zina tungwa Yelfuka na mutifu katati mati Takuza kuna tatuza zonzi na katulwa Ulu zolo lwa batata makungu tulendo Siku mina zoneza kwanza zina tungwa Yelfuka na mutifu katati mati Afelika ya mpa, Afelika, Afelika ya mpa nina tuwa. Afelika ya mpa, Afelika, ya mpa nina mene tuwa. Afelika ya mpa, Afelika, Afelika ya mpa nina tuwa. Afelika ya mpa, Afelika. Siku mina zoleza kwanza zina tungwa Kongo kwima kangu begela kuwa kuzami Oyo makatanga kivu kubangi chwapa Kasa imu kivu kakati mati Siku mina zoleza kwanza zina tungwa Kongo kwima kangu begela kuwa kuzami Oyo makatanga kivu kubangi chwapa Kasa imu kivu kakati mati Afelika ya mpa, Afelika, Afelika ya mpa nina tuwa. Afelika ya mpa, Afelika, ya mpa nina mene tuwa. Afelika ya mpa, Afelika, Afelika ya mpa nina tuwa. Afelika ya mpa, Afelika. Thank you.